Et voilà, nous sommes en live. Super. Donc là, on attend que les gens se connectent. Exactement. Ça marche. Je me repasse les slides. Bonjour, vous êtes une petite vingtaine déjà connectés, peut-être en attendant que les autres personnes nous rejoignent. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer dans le chat que vous m'entendez bien et me voyez bien? Bonjour Alexandre, visiblement oui. Bonjour Gilbert. Super, vous devez a priori nous entendre. Si vous pouvez juste me le confirmer, un de vous, qu'on en entend bien, ça serait formidable. On est déjà 70. Merci Cécile. Images et son, tout bon. C'est parfait. Merci Patrick aussi. Parfait. On va attendre, vous commencez à être habitué, on va attendre une minute ou deux que tout le monde se joigne à nous. Merci pour la confirmation. C'est top. En attendant, ce que je peux vous proposer, c'est de vous mettre le lien tac, vers les prochains événements, même si ça va vite être couvert par vos bonjours. Voilà, et puis on va attaquer tranquillement puisqu'il est 11 h. Bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien, vous devez me voir en petit à droite normalement, et vous avez à côté de moi Marie. Bonjour. Donc moi je m'occupe, enfin, je fais partie des Folies Web, je vais vous faire une intro, vous êtes habitués maintenant pour ceux qui ont l'habitude de nous voir que je vais faire la plus courte possible, mais c'est important aussi de remercier les gens qui font que les Folies Web soient possibles. Et après je laisserai la parole à Marie que je remercie au passage de venir vous compter tout ça ce matin et puis moi je m'effacerai à ce moment-là. Donc pour vous rappeler ce que sont les Folies Web, on est essentiellement des ateliers présentiels partout en France. Vous le savez, d'habitude ça ressemble plutôt à ça. Et puis depuis le confinement, on fait des webinaires, en l'occurrence 4 à 5 par semaine. On essaye de diversifier ça et puis d'avoir un maximum d'experts dans leur domaine. Vous pouvez voir le programme sur le site des Folies Web et vous pouvez voir le replay de chaque événement dans l'après-midi suivant l'événement. Donc cet après-midi, vous pourrez voir le replay plutôt en fin d'après-midi puisqu'il nous faut un tout petit peu de temps pour voir le replay de l'événement d'aujourd'hui. Et vous voyez également qu'on est présent sur trois réseaux sociaux. Les Folies Web, ça existe, c'est une initiative qui existe notamment grâce à la présence de trois partenaires forts et organisateurs. Le premier, c'est réussir.fr de la FNIC. C'est eux qui gèrent les noms de domaine, donc les adresses Internet en .fr. Donc il y en a 3,5 millions, comme vous pouvez le voir ici. En fait, ils font beaucoup plus que ça parce qu'au-delà de gérer les noms de domaine en .fr, ce qui est déjà quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une référence et notamment quand vous avez le souhait de communiquer auprès d'une audience en France, de donner confiance. Il y a des études qui ont montré que pour donner confiance aux gens et peut-être insister sur le Made in France, c'est le .fr qui pouvait être le bon choix. Et comme je le disais, ils vont au-delà de juste proposer un nom de domaine, puisqu'il propose tout un tas de ressources. Si vous avez vu cette slide plusieurs fois, que vous n'y êtes toujours pas allé, je vous conseille d'y aller, parce que c'est vraiment chouette, à la fois sur réussir.fr et réussir avec le web, qui est un outil d'autodiagnostic, pour, savoir où vous en êtes et puis vous donner des pistes pour la suite. Le deuxième partenaire, c'est IONOS. C'est une entreprise allemande qui a une présence forte en France et qui fait, vous voyez les petits logos, qui propose tout un tas de solutions, notamment de l'hébergement web, des noms de domaine et puis des sites internet pour en particulier des TPE et des créateurs d'entreprises. Ils ont mis en place pour leur arrivée qui est assez récente sur les Folies Web
Une offre qui est assez canon parce que pour 1 euro, vous avez la possibilité de choisir votre nom de domaine, votre adresse professionnelle et de créer une première version de votre site à l'aide de leur outil qui s'appelle My Website Creator, qui est un outil CMS assez facile à prendre en main. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça pour tester l'offre. C'est sur notre site, notamment. Je vous mettrai le lien juste après. Et le troisième partenaire, c'est Neo Camino. Neo Camino, c'est une solution qui est vraiment ciblée sur les TPE et les PME. En gros, il y a trois parties, vous le voyez ici. Un diagnostic où vous allez pouvoir faire le point sur quels sont vos objectifs, mais aussi quelles sont vos ressources en termes de compétences, ressources techniques, ressources financières pour mettre en place des actions. Et puis, ils ont aussi une solution digitale, donc un outil qui vous permet de faire tout un tas de choses. Vous le voyez ici, du référencement naturel, emailing ou autre, et du service pour vous accompagner, pour mettre en place tout ça. Voilà, donc ça c'est Neo Camino et eux, ils ont mis en place aussi une offre, c'est un peu le jeu de on leur demande de mettre en place des offres vraiment spécifiques pour les folies web et eux, c'est la possibilité d'avoir un rendez-vous offert pendant 30 minutes pour faire le point justement sur vos objectifs. Donc n'hésitez pas à parcourir ces offres, c'est ici quand vous allez sur notre site, vous avez nos offres, je peux vous mettre le lien aussi si vous le souhaitez sur les offres comme ça, hop, ça sera encore plus direct si vous voulez aller faire un petit tour. Voilà. Pour finir, je voulais simplement vous rappeler deux ou trois règles. La première, c'est que pour que le webinar il soit intéressant pour vous comme pour l'intervenante du jour, n'hésitez pas à poser vos questions. Si les questions sont pas toutes répondues au fil de l'eau, on reviendra sur les questions en fin de session. Et puis, vous êtes habitués aussi maintenant, on a un questionnaire de satisfaction qui, pour nous, est hyper précieux parce que ça nous permet de nous améliorer et puis de savoir aussi si les intervenants ont cartonné. Pour l'instant, c'est souvent le cas et ça donne tout un tas de billes pour les intervenants. Donc, je vous mets le lien vers ce formulaire. Et surtout, pour vous, ça vous permet, en fin de formulaire, de récupérer le lien vers la présentation. Donc, n'hésitez pas à remplir ce formulaire, ça serait vraiment hyper utile pour nous. Et vous recevrez un mail d'ailleurs qui vous redonnera le lien vers le formulaire si vous l'avez perdu tout à l'heure. Voilà, j'en ai fini. Je laisse la parole à notre intervenante du jour et je m'efface à tout à l'heure. Bonjour à tous. Alors donc moi, je m'appelle Marion Giroudon. Je suis consultante en stratégie digitale. Donc le blog, je m'en sers de deux façons. J'aide mes clients à trouver des clients avec, grâce à Internet. Donc. Et puis moi, je m'en sers pour avoir pour mon activité des prospects de façon régulière. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pareil. Donc créer un blog qui vous apporte de la visibilité, mais aussi des clients, parce que bon, c'est notre but à tous hein, aujourd'hui quand on fait quelque chose sur Internet. Alors, si on fait un tour d'horizon des moyens qui existent en communication selon les différents objectifs marketing, si on veut attirer des gens vers nous, se faire connaître, il y a le référencement. Le référencement, c'est faire en sorte que notre site soit bien positionné sur Google. Il y a la pub. Il y a ce qu'on appelle l'affiliation. Donc l'affiliation, en gros, c'est que d'autres personnes font la promotion de vos produits et que vous leur donnez une commission quand une vente est faite grâce à eux. Il y a les relations presse. Il y a donc tout ça, ça permet d'attirer des personnes vers vous. Pour les fidéliser, il y a l'envoi d'email marketing, comme font les folies web par exemple. Et si vous voulez convertir ces contacts, que ces gens-là soient plus juste des prospects mais des clients, il y a le site internet. Et on voit dans ce graphique, au milieu, qu'il y a deux moyens qui permettent de faire un petit peu tout ça, d'attirer les gens vers vous, de les fidéliser jusqu'à ce qu'ils puissent devenir vos clients. Et bien, ces deux moyens, ce sont donc les réseaux sociaux, comme Facebook, comme LinkedIn, comme Twitter, Instagram, et il y en a encore plein d'autres, ou le blog. Alors, du coup, votre objectif aujourd'hui, il va falloir que vous puissiez vraiment le formaliser. Est-ce que vous vous dites, moi, chaque mois, j'aimerais bien avoir 10 nouveaux contacts et j'espère sur ces contacts que 3 ou 4 deviendront mes clients. Donc ça, c'est vraiment votre objectif. Choisissez des objectifs qui soient un peu à court terme, qui soient faciles à vérifier.
Ensuite, il y a quelles sont les actions que vous allez réaliser pour les atteindre. Et ces objectifs-là, vous les réaliserez en utilisant des ressources. Donc, vos ressources, ça peut être votre temps. Ça peut être éventuellement l'argent que vous avez pour sous-traiter ça, sous-traiter des actions à quelqu'un. Ça peut être les compétences qu'il y a déjà en interne dans votre équipe si jamais vous avez des collaborateurs. Voilà, donc il faut bien tenir compte des ressources qu'il y a à disposition dans la sélection des moyens qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, si on réfléchit en termes d'investissement, bah, c'est assez simple en fait. Là, on a un graphique pour les matheux entre le rapport budget étant. Si vous faites de la pub, que ce soit sur Google, sur les réseaux sociaux, ça va vous coûter cher. Donc, on est en haut de la courbe du budget. Par contre, au niveau du temps, bah, ça ne vous prend pas beaucoup de temps. Ça vous demande surtout de l'argent. L'emailing, ça prend un peu des deux parce qu'il faut faire venir les gens sur votre base. Il faut utiliser des outils qui vous permettent d'envoyer des mails. Et ça, plus on a d'internautes dans notre base, plus c'est cher. Mais ça prend de l'argent et ça prend du temps. En revanche, ce qu'on appelle le référencement, et là, on parle de référencement naturel, c'est le fait de travailler votre site pour que Google l'aime bien et qu'il ait envie de le placer le plus haut possible dans les résultats des internautes qui vous intéressent. Ben ça vous coûte absolument rien. La seule ressource que ça va vous coûter, c'est du temps. Donc, il faut bien avoir conscience de ces critères-là quand vous allez définir de ce que vous faites de vos ressources dans l'objectif d'arriver à ce que vous souhaitez, un certain nombre de contacts par mois, par exemple. Alors, du coup, je crois qu'on a compris qu'aujourd'hui, notre moyen idéal d'atteindre l'objectif, c'est le blog. Et évidemment, c'est de ça qu'on va parler pendant cette heure qu'on a ensemble. Alors, un blog, c'est quoi ? C'est quoi l'objectif que vous avez avec ? Comment on le construit ? Comment on réfléchit à bien adresser nos articles à notre cible ? Comment on fait pour que l'article soit efficace ? Et puis, comment est-ce qu'on définit notre rythme et notre fréquence de publication ? Alors, c'est parti. Comme vous l'a dit Sébastien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si elles sont directement liées à ce que je suis en train de dire, j'essaierai d'y répondre. Et si ce n'est pas le cas, on se les gardera et puis on verra ensemble les questions à la fin. Alors, donc, un blog, c'est un site web qui est à vous. Quelle différence du coup entre le blog et le site ? Bah, souvent, le blog, c'est une partie de votre site internet. Un site internet, on peut dire qu'il est un peu figé parce que vous avez 2-3 pages, votre homepage, votre page de contact, vos pages qui présentent vos services ou vos produits. Mais ces pages-là, elles ne bougent pas. Le site web classique, il a une structure qui est assez immuable. Vous allez le changer peut-être tous les 3-4 ans pour qu'il y ait un nouveau design, mais sinon, en général, vous n'y touchez pas trop. Alors que le site web, il est beaucoup plus dynamique parce que toutes les semaines, tous les mois ou à la fréquence que vous allez définir, bah, vous avez de nouvelles pages qui arrivent. Sur ces pages-là, vous avez aussi la possibilité pour vos internautes de laisser des commentaires. Donc, un blog, c'est beaucoup plus vivant et ça, c'est une très bonne chose pour votre référencement naturel parce que Google, il a besoin de voir que votre site, il vit, qu'il est mis à jour de façon régulière pour en avoir une bonne image et avoir envie de le placer le plus haut possible dans les résultats. Donc voilà, un blog, c'est un endroit où vous avez des articles que vous publiez à une fréquence que vous définissez. Alors, à quoi ça sert ? Bah, y a plein d'avantages à avoir un blog. Déjà, en termes de notoriété, un blog, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir une grande visibilité. Vous avez un contenu toutes les semaines, tous les mois, toutes les 2 semaines, ça dépend ce que vous faites, que vous allez pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux. C'est un contenu qui va pouvoir être référencé sur Google. Donc là, on peut avoir très vite des centaines, voire des milliers de vues sur un article de blog. Ça permet vraiment de vous faire connaître. Ça vous permet aussi de fidéliser votre communauté. Donc votre communauté, ce sont les gens qui vous suivent. Si vous leur proposez régulièrement du nouveau contenu, ils vont continuer à vouloir vous suivre parce que ils savent que tous les mois, il y a un nouvel article qui sort et qui va les intéresser. En termes d'e-réputation, c'est génial aussi parce que ça joue énormément sur la perception que les internautes vont avoir de vous en tant que personne si vous travaillez seul, de votre entreprise ou de votre marque si vous êtes plusieurs. Pourquoi ? Parce que vous avez donné gratuitement de l'information qui a de la valeur. Parce que les internautes, lorsqu'ils arrivent sur votre site, ils n'ont pas besoin de payer pour accéder à vos articles.
Au niveau de l'expertise, bah, c'est top aussi parce que vous arrivez vraiment à vous créer rapidement avec un blog une vraie image d'expert sur votre secteur d'activité, sur votre niche en fait. Et puis bah, en SEO, donc SEO c'est ce qu'on, c'est l'acronyme pour référencement naturel, bah, ça veut dire que le blog va vous permettre de recevoir plein, plein, plein de visiteurs sur votre site qui ne vont rien vous coûter parce que là vous n'avez pas besoin de faire de la pub. Alors, quand on est décidé à créer un blog, parce qu'on a compris tout ce que ça peut nous apporter, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut avoir une première réflexion et se dire, bah, qu'est-ce que je vais partager sur mon blog? Ok, ça va être des articles, mais quels sont les sujets dont je vais parler? Sur quel ton je vais aborder ces sujets-là? En fait, là, il faut vraiment définir une vraie ligne éditoriale. Ça va un peu avec décider à qui est-ce que vous vous adressez. Par exemple, moi, je suis consultante en marketing digital. Ben, je m'adresse à des PME principalement. Donc, les PME, elles ont un niveau de connaissance sur mon métier qui n'est pas énorme. Donc, j'écris pas des articles qui sont trop pointus. J'ai aussi un blog à destination des freelances. Sur ce blog-là, je publie toutes les 2 semaines et j'écris des articles sur tous les sujets qui peuvent intéresser les freelances pour se développer commercialement, pour leur administratif, pour leur organisation. Voilà, donc en gros, ma ligne éditoriale sur ce blog-là, c'est de répondre à toutes les questions qu'un freelance peut se poser. Et qu'est-ce que j'ai décidé? J'ai décidé que les internautes, je les vouvoie. Parfois, les gens tutoient leurs internautes. J'ai décidé que je voulais que mes contenus soient pédagogiques. J'ai décidé que je voulais qu'ils soient illustrés. Donc, je mets des images, je mets des gifs, je mets des vidéos. Voilà, il faut vraiment avoir une première démarche qui est celle de se dire qu'est-ce que je veux pour mon blog, de quoi je veux parler, sous quelle forme et sur quel ton. C'est très important parce que ça va guider pas mal de choses pour la suite. Ensuite, il faut que vous puissiez choisir votre plateforme. Alors, je vais vous parler plus en détail de la principale qui s'appelle WordPress, qui est la plus complète en termes de fonctionnalités et qui est celle que vous pourrez personnaliser le plus. L'autre avantage, c'est que comme plein de gens l'utilisent, quand vous avez une question, vous allez presque toujours trouver la réponse sur Internet. Ensuite, l'étape suivante, ce sera de trouver un hébergeur. Alors, l'hébergeur, c'est quoi? C'est l'entreprise qui va stocker sur ses serveurs tous les fichiers qui sont nécessaires au fonctionnement de votre site. Par exemple, quand vous utilisez des images dans vos articles, ces images, elles sont enregistrées quelque part. Les textes sont enregistrés quelque part. Et donc, l'hébergeur, il est responsable de stocker tous ces fichiers en sécurité. Ça va vous coûter environ 20 à 25 euros par an pour un hébergement classique quand vous démarrez. Il va également falloir trouver un bon nom de domaine. Alors, le nom de domaine, c'est l'adresse de votre site internet. Par exemple, www.nomdevotreentreprise.com. C'est à vous de décider, est-ce que vous voulez utiliser votre nom de marque? Est-ce que vous voulez utiliser autre chose? Il y a des entreprises qui choisissent des noms de domaine qui sont juste des mots-clés, en fait. Par exemple, serrurier-paris.com, ça peut être un nom de domaine. Et ensuite, vous allez choisir le design. Si vous utilisez un système comme WordPress, vous allez choisir ce qu'on appelle un thème. Et un thème, en fait, c'est un ensemble de modèles de pages que vous allez pouvoir réutiliser dans votre site. Et une fois que vous avez mis tout ça en place, bah, ça y est, vous pouvez utiliser votre blog et publier votre premier article. Alors, donc, je vous ai dit que je reviendrai plus en détail sur WordPress. Donc WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS. CMS, ça veut dire Content Management System, qui vous permet donc de mettre un thème. Donc le thème, ce sont les modèles de page, et de travailler directement dessus. Et vous pouvez ajouter un tas de petites fonctionnalités supplémentaires, comme des formulaires pour que les personnes téléchargent des documents, s'inscrivent à votre newsletter. Vous pouvez utiliser des outils de statistiques, vous pouvez utiliser des outils de réservation de rendez-vous en ligne, de paiement. Vous pouvez faire plein de choses sur WordPress. Alors, quand vous choisissez WordPress, on va vous demander si vous voulez WordPress.org ou WordPress.com. Vraiment, je vous recommande de choisir WordPress.org parce que là, vous voyez, vous allez pouvoir faire plein de choses. WordPress.com, ok, c'est gratuit. Par contre, vous n'avez vraiment pas beaucoup d'espace de stockage. Et en plus, vous ne pouvez pas utiliser votre nom de domaine, celui dont on a parlé, celui que vous avez choisi. Et puis, vous ne pourrez vraiment pas changer grand-chose. Enfin, ça
C'est vraiment bon que pour les personnes qui veulent dépenser 0 euros et qui n'ont aucun objectif avec leur blog. Là, WordPress.org, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Vous devez acheter votre thème, vous devez acheter, mais vous l'achetez qu'une seule fois. Vous devez payer chaque année pour votre nom de domaine et votre hébergeur. Ça va vous coûter, comme vous le voyez en bas de la slide, une trentaine d'euros par an. Franchement, ce n'est pas un budget énorme quand on voit tout ce que ça peut vous apporter. Alors, donc on disait tout à l'heure que vous devez définir votre ligne éditoriale. Et pour ça, absolument, vous devez faire un travail d'identification de votre ou vos cibles. Donc, il y a une technique qui s'appelle celle des buyer persona qui va vous permettre de faire ça. En gros, la technique des buyer persona, l'idée, c'est d'imaginer une personne fixe dans votre cible et de réfléchir à quel est son genre, quel est son âge, où est-ce qu'elle est géographiquement, qu'est-ce qu'elle fait comme travail ou quelle est sa situation personnelle. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir réfléchir à plein de choses dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de réfléchir par rapport à votre produit ou votre service, bien sûr, qui vont vous permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus fine de sa perception de vos produits, de sa façon de les chercher, de sa façon de les choisir, des questions qu'elle se pose, et ça va vous permettre de définir des sujets d'articles qui vont l'intéresser tout simplement. Donc là, on a un exemple, ce serait pour une personne qui gère un restaurant bio, et on va se dire, cette personne-là, quels sont les influenceurs, quels sont les sites, les médias qu'elle suit. Quels sont ses intérêts? Donc là, a priori, c'est peut-être l'alimentation bio, l'alimentation végétarienne. Sa situation familiale, potentiellement, c'est quoi? Quels sont ses comportements? Quelles sont ses habitudes? Et quand on parle de profil digital, l'idée, c'est de se demander comment est-ce qu'elle utilise Internet, puisqu'on va utiliser Internet pour essayer de se mettre en relation avec elle. Donc, c'est important de faire ce travail sur les différentes cibles que vous pouvez avoir, de vous faire un peu un portrait robot assez détaillé des personnes avec lesquelles vous aimeriez travailler. Ça va vraiment vous aider beaucoup à se dire, ok, donc c'est quoi ces questions, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'utiliser les services que je propose, quels sont tous les blocages qu'elle peut avoir dans son quotidien de restauratrice, en l'occurrence pour cette personne-là. Voilà, ça va vous donner plein d'idées d'articles qui pourront être sur votre blog. Alors, donc on se dit, un article, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il réponde aux besoins de vos prospects. Donc là, le travail qu'on vient de faire de réfléchir à son buyer persona, il est un petit peu biaisé parce que vous êtes un expert. Vous connaissez très bien votre métier, vous connaissez très bien votre jargon. Vous n'avez pas de questions sur le fonctionnement, vous savez tout. Vos prospects, par contre, ne savent pas tout. Donc, c'est important aussi d'arriver à se mettre à leur place. Et il y a un outil qui permet de faire ça, qui s'appelle Answer the Public, qui va vous permettre de savoir quelles sont les questions que se posent les internautes lorsqu'ils sont sur Google. Quelles sont les choses qu'ils recherchent sur Google? Ça vous permet deux choses. Ça vous permet déjà de choisir des mots-clés intéressants pour travailler vos articles, mais ça vous permet aussi d'avoir des idées de sujets pour lesquels vous pouvez rédiger des articles en sachant que les internautes s'intéressent à ce sujet-là, et donc forcément, il y en a qui vont avoir envie de le lire. Et lorsque vous allez arriver sur answerthepublic.com, il y a un ensemble d'infos qui va vous être donné sur les mots-clés. Et il y a plusieurs critères que vous allez devoir prendre en compte lorsque vous allez choisir les mots-clés qui vous intéressent. Alors, le premier, bien sûr, c'est le volume. Il faut que vous choisissiez des mots-clés que des gens tapent. Parce que si votre site ou votre article est bien référencé sur un mot-clé mais que personne ne tape, vous n'aurez pas de visiteurs. Donc, déjà, il faut absolument que ces mots-clés-là soient recherchés. Ensuite, il va falloir qu'ils soient pertinents. Par exemple, j'avais travaillé à une époque pour un site qui vendait des robes en ligne et j'avais réalisé qu'ils étaient très bien référencés sur les recherches de robes de mariée. Le problème, c'est qu'ils n'en vendaient pas. Donc, ils avaient des internautes qui arrivaient sur le site qui voulaient une robe de mariée et mes clients, ils n'avaient pas de robe de mariée à leur proposer. Donc, c'est des visiteuses qui servaient absolument à rien. C'était pas pertinent
d'être positionné sur ce mot-clé-là. Et enfin, la dernière chose, c'est la concurrence. Lorsque vous choisissez votre mot-clé, il faut que ce soit réaliste, que vous ayez vraiment un espoir de pouvoir vous positionner en haut des résultats sur ce mot-clé-là. Un mot-clé qui est trop concurrentiel, c'est pas la peine. Il y a des sites qui sont déjà installés là depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et vous allez avoir beaucoup de mal à les détrôner. Donc, il faut toujours préférer un mot-clé qui a peut-être un petit peu moins de volume de recherche, mais qui a une concurrence plus faible. Au final, un mot-clé avec une concurrence plus faible, mais moins de volume, il pourra vous apporter plus de visites. Et le but du jeu, hein, c'est d'avoir un maximum de visiteurs. Alors, du coup, je vous disais que les mots-clés pouvaient vous donner des idées d'articles. C'est parce que je vous recommande, et tous les référenceurs vont vous le recommander, d'avoir pour chaque mot-clé vraiment qui vous intéresse, un seul article sur votre blog. Pourquoi ? Parce que vous avez dû remarquer que lorsque vous faites une recherche sur Internet, Google, il ne vous présente pas des sites Internet, il vous présente des pages. Le référencement fonctionne à la page. Si vous allez sur Google tout de suite et que vous tapez « chaussures de randonnée », vous aurez sûrement Décathlon qui va sortir dans les résultats. Et si vous cliquez, vous n'arriverez pas sur la page d'accueil de Décathlon. Vous arriverez sur la page du site de Décathlon qui présente le stock de chaussures de randonnée. Parce que c'est ça qui vous intéresse, parce que sur cette page, il y a le mot-clé chaussures de randonnée qui a été utilisé plein de fois, et donc Google comprend que c'est cette page qui va vous intéresser en tant qu'internaute. Donc, ayez bien en tête que Google fonctionne à la page, et pour chaque page de votre site internet, et donc pour chaque article de votre blog, il faut que vous ayez un besoin, un message, une action, et donc un mot-clé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vos articles de blog, ils ne doivent pas couvrir 15 sujets, ils doivent en couvrir un. Ça veut dire aussi qu'il y a une action à la fin de la lecture de cet article de blog que vous devez attendre de l'internaute et donc lui proposer. Moi, par exemple, sur les articles de mon blog et destination des freelances, en fin d'article, je propose toujours de télécharger un document. J'ai une boîte à outils avec 6 docs et je choisis parmi mes 6 outils, lequel est celui qui est le plus cohérent par rapport au sujet de l'article. Faut vraiment c'est vraiment le 1, le chiffre qui doit vous guider dans le référencement. Donc, un article, un sujet, un mot-clé et une action que l'on propose à l'internaute. Alors, également pour que votre article soit efficace, il y a 2 choses. Il faut bien sûr qu'il soit facilement lisible par les robots Google lorsqu'ils vont venir le consulter. Et il faut également que les internautes le consultent facilement eux aussi. Il y a environ 5% des internautes qui lisent les pages jusqu'en bas. 5%, c'est pas beaucoup. Alors, comment vous pouvez faire augmenter ce taux ? En ayant un plan qui soit clair à la fois pour Google et à la fois pour l'internaute. Ça veut dire que vous ne faites pas des gros pavés, que vous allez découper votre article en différentes parties qui auront des titres, qui auront éventuellement des sous-titres, et que vous découpez bien tout ça en paragraphes. Il faut que ce soit accrocheur. Il faut avoir une vraie intro. Avant le premier titre, il faut que vous ayez 3-4 lignes, un peu un chapeau, comme on dit en journalisme. Il faut que votre contenu soit intéressant. Il faut finir sur une bonne impression et donc donner une conclusion qui soit une vraie conclusion, un vrai récap de ce que vous avez dit plus tôt. Et le fait d'avoir des titres, ça a plusieurs vertus. Les vertus, c'est que déjà, les textes qui figurent dans les titres pour le référencement ont plus d'importance pour Google. Donc, vous allez y mettre des mots-clés qui vont permettre à votre page d'être mieux référencée. Et également, pour l'internaute qui va lire en diagonale, il ne lira que les titres, et dans ce cas, même s'il n'a pas tout lu, vous pouvez vous dire « je vais déjà donner pas mal d'infos ». Ou alors, justement, les titres vont l'inciter à lire le contenu de l'article. Donc, c'est vraiment une erreur qui est hyper courante. Les gens écrivent de longs textes et c'est un article. Non, pour que l'article soit bien référencé et que les internautes aient envie de le lire, parce que la lecture sur écran, en plus, elle est quand même beaucoup plus fatigante que sur papier, il faut absolument avoir une organisation avec cette structure-là qui est idéale de titre, de sous-titre et de paragraphe. En plus, lorsque vous mettez des titres, là, vous voyez sur la gauche une capture de comment ça fonctionne sur WordPress. Lorsque vous mettez des titres, vous avez automatiquement des balises
qui vont s'appliquer. Là, quand on utilise donc la fonctionnalité titre 2 sur l'un de nos titres, bah, en fait, WordPress va ajouter une balise qui s'appelle H2 qui va permettre à Google de mieux comprendre la structure de votre article. Et ça, c'est une chose qui est hyper importante à faire. Et où est-ce que vous devez aussi avoir vos mots-clés? Bah, dans ce qu'on appelle les balises, donc la méta title et la méta description. Sur cet exemple, donc la méta title, c'est la première ligne qui est en bleu, booster votre référencement naturel sur Google, Neo Camino. Donc, cette balise-là, il faut absolument que votre mot-clé y figure dedans et il ne faut pas dépasser 70 caractères. Ensuite, en vert, vous avez l'adresse de la page, tout bêtement. Vous pouvez pas la changer. Et ensuite, en noir, les deux dernières lignes, c'est donc la méta description. Là, je vous recommande d'essayer de rédiger entre 150 et 160 caractères. Celle-ci, elle n'est pas utilisée par Google pour comprendre le sens de votre page, contrairement à la méta title, mais l'internaute va l'avoir. Donc, elle va l'inciter à cliquer ou pas pour aller visiter votre site ou pour venir sur votre article. Je vous encourage quand même à mettre votre mot-clé dedans, parce que comme vous le remarquez, il y a certains mots-clés qui se mettent en gras. Et les mots-clés qui se mettent en gras, ce sont les mots-clés que l'internaute a tapés. Ensuite, pour que votre article puisse être référencé et qu'il donne suffisamment de contenu à l'internaute, le minimum que vous pouvez écrire, vraiment, c'est 600 mots. Regardez ce que font vos concurrents. Plus un article est long, plus il peut avoir des chances d'être bien référencé. Et puis, ça ne suffit pas d'avoir du texte, il faut aussi avoir du multimédia. Donc, mettez des images, mettez des GIFs, mettez aussi des vidéos. Donc ça, les vidéos, surtout ne les hébergez pas sur votre site. Vous prenez une vidéo qui est sur YouTube, la vôtre, celle de quelqu'un d'autre, et puis vous utilisez un lecteur. Donc, c'est-à-dire que dans votre texte, il y a une vidéo et l'internaute peut cliquer dessus et la voir sans quitter votre article. Et puis, un moyen également d'avoir régulièrement à la fois de la vie sur vos articles, parce que souvent, une fois qu'ils sont publiés, bah, il ne se passe plus grand-chose dessus, et également des retours des internautes, c'est de proposer une fonctionnalité de commentaire et d'inciter dans le texte de vos articles, bah, d'inciter les internautes à utiliser cette fonctionnalité, de donner leur avis, de répondre à des questions. Voilà, donc si vous mettez bien au moins 600 mots, si vous avez des éléments multimédia qui vont aussi aérer un petit peu, hein, il faut illustrer votre propos, il faut faire en sorte que ce soit plus agréable à lire. Vos articles peuvent être bien référencés sur Google. Alors, je vous ai dit que c'était bien de mettre des images. Quand vous allez mettre des images sur votre site, déjà, pensez à les compresser. Il y a des outils gratuits comme TinyPNG. Je vous mets le nom. TinyPNG, c'est gratuit. Et alors, je vois qu'il y a des questions. TinyPNG, ça vous permet de compresser vos images pour qu'elles soient beaucoup moins lourdes. Et du coup, à la fois, elles vous prennent moins d'espace de stockage dans votre hébergement, mais surtout, elles ne vont pas ralentir le temps de chargement de votre article. Donc, nommez vos fichiers de façon très claire. Hein. Idéalement, il faudrait qu'il y ait trois mots que vous séparez par des tirets. Ne mettez pas d'accent, ça peut poser des problèmes quand vous l'enregistrez. Il va falloir, au moment d'enregistrer cette image donc sur votre outil comme WordPress, titrer votre image, mettre un texte alternatif. À quoi ça sert? Bah, ça sert parce que Google, il ne sait pas interpréter une image. Donc, il a absolument besoin que vous en fassiez une description, sinon il ne comprendra pas de quoi elle traite. Et puis, c'est intéressant aussi parce que pour les personnes qui sont malvoyantes, qui ont un outil qui leur lit le contenu de votre article, en fait, ils auront la lecture aussi de votre description dans le texte alternatif. Voilà, on a dit taille de l'image adaptée. Si vous les compressez, elles ne seront pas trop lourdes. Et puis, il y a quelques formats qui sont recommandés. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question par rapport à la création des GIFs. Il y a pas mal de questions. Je pense qu'on pourra les voir à la suite. Alors, créer un GIF, moi, je ne l'ai jamais fait. Par contre, il y a des sites comme Giphy qui vous permettent d'en trouver plein. Alors, il y a une chose également qui est importante à faire dans vos articles, c'est de mettre des liens. Pourquoi? Parce que Google, en fait, lorsqu'il consulte votre site pour choisir de référencer ou non vos pages,
il suit les liens qui sont entre vos pages. Il se balade comme ça. Donc, le maillage interne, ce sont les liens entre vos différentes pages, il est important parce qu'il permet de voir quelle est l'importance de l'une ou de l'autre des pages, qui permet de s'assurer que Google va visiter la page. Donc, en gros, ce qu'il faut penser à faire quand vous rédigez un article, c'est de vous dire quels sont les articles qui sont sur des sujets connexes que j'ai déjà publiés sur mon site et vers lesquels je pourrais publier des liens entre mes différents articles. Voilà, pour Google, ça sera plus facile de comprendre que sur une même thématique, vous avez peut-être plusieurs articles, en fait. Et puis, ça peut être pas mal aussi de créer des catégories sur votre blog. Vous pouvez le faire facilement en utilisant des fonctionnalités de tags, en fait, sur vos articles. Créer des catégories, ça vous permet, par exemple, que l'internaute puisse afficher tous les articles que vous avez écrits qui concernent tel ou tel sujet. Ça lui facilite beaucoup la navigation. Alors après, le rythme de publication, il dépend d'une chose qu'on a évoquée au début de ce webinaire, qui est vos ressources. En fait, ça dépend du temps que vous avez à y consacrer. Le grand minimum, vous ne pouvez pas faire moins, c'est de publier un article par mois. C'est pas beaucoup. Je vous encourage à faire plus. Deux articles par mois, c'est bien. Un article par semaine, c'est encore mieux. Il faut en tout cas que vous soyez régulier. Si vous vous dites c'est toutes les deux semaines, il faut que ce soit toutes les deux semaines. Et pour que ce soit plus simple, veillez bien à mettre en place ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce que c'est. Hein. On liste bêtement les sujets qui nous intéressent et on sélectionne la date. Pourquoi c'est important? Parce que si vous attendez, vous dites je poste tous les lundis, le lundi matin, vous allez vous dire ok, bon, je dois publier un article aujourd'hui, je vais parler de quoi? Le calendrier éditorial, il vous permet de stocker toutes les idées que vous pouvez avoir. Il vous permet aussi d'avoir un peu une vision d'ensemble et vous assurer de la variété des sujets que vous allez traiter. Il ne faut pas traiter deux fois de suite d'un sujet trop proche. Essayez de varier. Vous avez parlé de ça la semaine dernière. Bon, cette semaine, vous allez parler d'autre chose. Il ne faut pas lasser votre audience. Mais vraiment, pour que le blog ait un vrai ROI, un vrai retour sur investissement, il va falloir attirer les internautes sur le site. Et pour ça, la régularité, ça fait partie des choses qui sont importantes. La pertinence aussi. Vous ne pouvez pas partir dans tous les sens et traiter trop de sujets différents parce que les gens n'auront pas envie de revenir, en fait. Parce qu'ils ne seront pas sûrs que vos prochains sujets vont les intéresser. Et être intéressant, ça veut dire que votre article de blog, il n'est pas forcément comme tous les articles qui sont déjà sortis sur le sujet. Ça veut dire qu'on a envie de le lire, qu'il est facile à suivre, que vous apportez quelque chose de plus. Là, si on regarde bien, Neo Camino, ils ont un blog sur lequel ils publient de façon très 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 fréquente, je crois que c'est tous les jours. Donc, on prend la courbe, donc ça c'est Google Analytics. Ils se sont créés donc en 2012, il y a 8 ans, jour de la Saint-Valentin, tiens, c'est marrant, il n'y a pas de trafic. Bon, en janvier, donc un an après, ils ont quelqu'un qui arrive pour commencer à alimenter un blog. On voit tout de suite que la courbe elle commence à se lever. Ils embauchent quelqu'un quelques mois après, ça commence à augmenter. Et on voit que c'est allé très vite, en fait. Hein. En un an et demi, ils sont passés à 50 000 visiteurs par mois. Donc, c'est vraiment pour vous dire, le blog, ça marche. Ça prend du temps. Il faut le faire, par contre, que si vous aimez écrire, parce que vous le ferez avec plaisir. Mais c'est vraiment un truc qui fonctionne très bien. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Je vais essayer de les faire remonter une par une et d'oublier personne. Donc, Brice demandait s'il est pertinent de mettre le blog dans une section de votre site internet. Moi, je dis oui, parce que votre blog, il a quand même, soyons honnêtes, vocation à vendre quelque chose derrière. Et du coup, le fait qu'il soit sur votre site, ça vous permet de basculer plus facilement les internautes sur vos pages produits. Et puis aussi ça vous évite d'avoir deux sites à gérer, deux thèmes à acheter, deux hébergements à payer. Donc c'est économique en termes de temps et en termes d'argent. Alors Françoise dit, pourrait-on avoir les liens de vos blogs? Alors je vais vous donner le lien de celui que je continue de bien mettre à jour. Hop, c'est celui-là.
Donc, Super Freelance, c'est le blog qui est à destination des freelances sur lesquels je poste deux fois par mois. Alors, Christelle qui demande, est-ce vraiment nécessaire d'avoir un blog si on est très présent sur les réseaux sociaux? Ça fait doublon. Bon. C'est très variable en fait. Le blog peut vous donner de la matière pour communiquer sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas les mêmes contenus. Sur un blog, on peut aller en profondeur sur des sujets, on peut écrire plusieurs centaines de mots. Sur les réseaux sociaux, c'est quand même très différent. Donc, il y a un choix à faire. Moi, je connais quelqu'un qui. Enfin, je connais plusieurs personnes qui ont commencé avec des posts LinkedIn très fréquents, qui ont réussi à travailler leur personal branding comme ça, sans avoir besoin d'un site. Et donc, pas de site, pas de blog. Et ça marchait très bien. Le fait de pouvoir créer un blog par la suite, ça permet vraiment de se donner une image d'expert. Donc, moi, je le recommande quand même. Alors, Stéphane dit, c'est plutôt 60 euros pour un bon hébergeur. Oui, ça dépend. Christine Hirtz qui nous demande, quand vous parlez de plateforme, n'est-elle pas liée à son site web quand le blog en fait partie? Exactement. Quand vous avez un site sur WordPress, bien sûr, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de blog. Alors, Perrine demande, mon site est sous Wix, puis-je utiliser WordPress pour le blog? Mais dans ce cas, ils ne sont pas liés pour le SEO et le trafic. Exactement, ils ne seront pas liés. Alors, Wix a une fonctionnalité de blog, mais c'est vrai que les sites comme Wix, malheureusement, ne vous permettent pas de personnaliser beaucoup de choses. Et ça veut dire que vous ne pourrez pas bien travailler votre référencement naturel. Idéalement, si vous passez tout sur WordPress, c'est plus intéressant. Alors, Claude Petazzoni qui demande quid de PrestaShop comme plateforme. Bah, PrestaShop, quand on a un site e-commerce, c'est bien. Il y a une fonctionnalité de blog. Par contre, c'est vrai que j'ai eu des clients qui étaient sur PrestaShop et qui pouvaient pas faire grand-chose sur leur blog. Donc, si vous êtes coincé sur PrestaShop, bon, bah, faites votre blog sur PrestaShop, mais bon, voilà. Alors, on parle beaucoup de WordPress. Pour ma part, je suis sur Blogueur de Google. Avez-vous des recommandations ou des infos pour améliorer un blog sur ce CMS? Merci beaucoup. Alors, Blogueur, oui, c'est Google. Bah, essayez de bien choisir vos mots-clés. Essayez de bien les mettre dans les endroits qu'on a évoqués tout à l'heure, hein, dans votre meta-title, dans meta-description, dans le titre principal de la page, les titres, de vos, enfin, les sous-titres à l'intérieur de vos articles et dans le contenu. Alors, Richard qui dit l'outil pour déclencher l'action de téléchargement, s'il vous plaît. Alors, si on parle du téléchargement du webinaire, je ne peux pas vous répondre. Ce sera plutôt Sébastien. Si c'est téléchargement comment dire, téléchargement d'un document, en fait, c'est quelque chose qui va être connecté à votre outil d'envoi d'email. Alors, Laurence qui dit, votre exemple sur la robe m'intéresse. Je vais vendre de la robe personnalisable, ajustée à la morphologie, mais pas de la robe de mariée. Comment faire? Alors, en référencement naturel, vous ne pouvez pas dire à Google, je ne veux pas apparaître sur tel ou tel mot-clé. Si vous faites de la publicité, vous pouvez avoir des mots-clés exclus. Donc, si vous faites de la publicité Google Ads, vous pourrez le faire. Laurence, là, surtout, c'est ce qu'il va falloir, c'est absolument bien choisir vos mots-clés. Alors, Claire demande, faut-il un minimum de mots et un maximum par article? Pas de maximum. Faites-vous plaisir. Mais n'écrivez pas pour écrire, hein, il faut que ce soit intéressant pour l'internaute. Si c'est long parce que vous avez brodé, ça ne va pas forcément l'intéresser. Le minimum, ouais, ce serait vraiment 600 mots. Alors, Cécile qui demande quel outil pour connaître volume et concurrence sur mots-clés suggérés par Answer de public. Alors, un autre outil que vous pouvez utiliser pour tout ça, c'est Uber Suggest. Je vais vous envoyer Uber Suggest. Hop, je vous envoie le lien. C'est gratuit, ça vous donne pas mal d'infos, donc le volume de recherche mensuelle des mots-clés qui vous intéressent, la concurrence, des idées d'autres mots-clés, et en fait, cette personne-là récupère des données qui viennent directement de Google. Pouvez-vous redonner le nom du logiciel qui compresse les photos? Alors, c'est TinyTNG. C'est pas un logiciel, hein, c'est un site internet, vous n'avez rien à installer sur votre. Ah bah Ludivine avait répondu. Vous n'avez rien installé sur votre site. Alors, sur le blog, on crée une table des matières qui référence à tous les articles du blog. Question de Richard. Alors, en fait, vous n'avez pas besoin de le faire. Par défaut, vous aurez une page qui répertorie tous vos articles.
en général, dans le, du plus récent au plus ancien. Alors, Muriel dit que veut dire blog égale, je pense que vous avez compris, ROI, en fait, c'est ROI, Return on Investment. Il y a un gros retour sur investissement sur les blogs. Merci Ludivine, qui est mon assistante sur cette présentation. Alors, où partager nos articles de blog pour augmenter le trafic ? Alors, les réseaux sociaux vont beaucoup vous aider à faire ça. Le fait d'avoir aussi une newsletter des personnes que vous prévenez par mail dès que vous publiez un article. Pareil, ça va vous faire, ça va vous faire plus de trafic. Est-ce qu'il y a des modèles pour un calendrier éditorial ? Question de Rose Angela. Je suis sûre que ça peut se trouver. Moi, j'en ai pas en tête. Mais après, c'est assez simple, hein. Vous mettez les sujets, vous mettez les dates. Alors, comment fonctionnent les hashtags ? Est-ce que j'insère en bas de mes articles de blog, question de Nathalie, est-ce que ça contribue au maillage et au SEO ? Alors, les tags que vous insérez en bas de vos articles, ça contribue au SEO, oui, parce que ça donne encore plus d'indications à Google sur le sujet que vous abordez dans votre article. Est-ce que ça contribue au maillage ? Oui, ça peut, parce que ça permet aux internautes de faire des recherches par catégorie. Alors, Christine qui dit « J'aime pas la présentation du blog sur Wix. Quel autre outil conseillez-vous autre que WordPress ?» Je conseille vraiment WordPress. Après, ce que vous pouvez peut-être faire si vous n'aimez pas faire de la technique, c'est utiliser Medium. Medium, ça vous permet d'avoir comme un blog, mais vous ne pourrez pas changer la charte graphique. Alors, est-il pertinent de partager des articles d'autres supports sur son blog? Alors, Anne, oui, vous pouvez mettre des liens vers d'autres articles, il n'y a aucun problème, dans votre blog. Par contre, sur votre blog, vous ne pouvez pas reprendre un contenu que vous avez vu chez quelqu'un d'autre et le poster tel quel. Marie qui demande, est-ce que d'insérer une vidéo YouTube sur WordPress, ça n'alourdit pas le chargement de la page? Non, parce qu'en fait... C'est une question intéressante. Non, ça va pas avoir cet effet parce que en fait, la vidéo, elle est hébergée sur YouTube. Donc, ça n'a aucun impact. Alors, Stéphanie qui dit et Jimdo. Stéphanie, Samia, toutes les deux, vous avez des questions sur Jimdo. Jimdo, c'est un peu comme Wix. Vous n'allez pas pouvoir beaucoup personnaliser. Alors, pour le référencement, on a coutume de dire que Jimdo est un peu mieux que Wix, mais WordPress est quand même vraiment la solution idéale. Sylvie qui dit, si on quitte PrestaShop, on perd tout le jus. Bah oui, c'est ça. En fait, votre blog, il peut contribuer aussi au bon référencement de votre site internet. Donc, c'est mieux d'être sur le même nom de domaine. Après, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir un sous-domaine, peut-être blog.l'adresse de votre site.com, et que ce sous-domaine-là, donc votre blog, soit sur un autre outil. Ça reste sur le même nom de domaine, et comme ça, on a moins d'impact. Alors, Hélène Payard qui dit, sur Blo, possibilité de partage sur RS, mauvaise idée de se contenter que de ça. J'ai pas compris votre question. J'ai pas compris la question, Hélène, je suis désolée, peut-être que vous pouvez la préciser. Alors, Noélie qui demande quelle est la différence entre WordPress et le site proposé par Réussir en .fr. Alors, je dois vous dire que je ne connais pas bien ce que propose Réussir en .fr. Est-ce que vous ne confondez pas plutôt avec One and One ? Après, WordPress, c'est vraiment le meilleur. Alors, comment se fait-il que Wix ne permet pas le référencement naturel ? Question d'Annick. C'est pas qu'il ne vous le permet pas, c'est que comme vous ne pouvez pas personnaliser grand-chose, vous avez du mal à bien optimiser vos pages, mais vous pouvez faire le minimum. Alors, Violaine qui dit « J'ai deux activités qui ne visent pas le même public. Dois-je avoir deux blogs ou avez-vous une astuce à ce sujet ?» Si c'est vraiment deux publics très différents, oui, je vous conseille d'avoir deux blogs, quitte à utiliser vraiment le même système sur les deux, le même thème et que vous ne soyez pas perdu. Après, on est dans l'univers du jeu, hein, énigme, réalité virtuelle. Ça pourrait se rassembler si les deux publics sont très différents, vraiment séparés. Si vous pensez que ça peut être des publics un peu similaires, pourquoi pas. Alors, Marie qui dit, est-il conseillé de faire des pop-up ? Non,
Vraiment, je ne vous le conseille pas, surtout que maintenant, la majorité des visites se fait sur téléphone et les pop-ups sur un téléphone, c'est insupportable. Alors, Amel qui dit, je m'y connais pas en informatique, j'ai créé un blog avec WordPress. Après, j'ai perdu la trace de mon blog. Combien ça coûte de réaliser un blog? Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez perdu la trace de votre blog. C'est bizarre. Mais combien ça coûte de le réaliser? Bah, si vous le faites vous-même, c'est ce qu'on s'est dit, hein. Il faut acheter un thème, il faut payer l'hébergement. Donc vous en avez pour peut-être 60 euros pour un thème que vous payez une seule fois. Et l'hébergement, allez, entre 30 et 60 euros par an. Si vous le faites faire par quelqu'un d'autre, bah, il n'y a pas vraiment de tarif, hein. Ça peut aller de 500 à 1000 euros, je dirais. Alors Emmanuel qui nous dit Wix, Jimdo ici, c'est de la daube pour le référencement. C'est un avis pas très nuancé, mais que je partage un peu. Alors, Noélie, donc j'ai déjà répondu à votre question. Qu'est-ce que vous conseillez comme outil pour créer des landing pages? Marie qui pose cette question. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Lead Pages qui est pas mal, il y a Unbounce. Ces deux sont pas mal. Donc, je vous mets Lead Pages, Unbounce. Voilà, ces deux outils de création de landing page. Alors, outils d'aide de création de contenu pour améliorer SEO, SVP. Je comprends pas bien la question. Je suis désolée. Alors, je vois pas le site Uber Suggest. Question de Desa. Alors, je vais vous remettre le lien. Hop. C'est pas Uber comme le prénom, hein, c'est. Voilà, j'ai remis. Christine qui dit, je comptais faire des vidéos principalement sur mon blog avec un peu de texte et de vidéos avec After Effects. Est-ce que si la ligne éditoriale est claire, est-ce que c'est mieux, idem ou moins bien que du texte? Alors, c'est vraiment une super idée de mettre de la vidéo dans vos articles de blog, mais sachez que Google n'est pas capable de lire vos vidéos. Donc, il faudra absolument qu'il y ait du texte. Voilà. Alors, une autre Christine qui nous demande comment on fait pour taguer. Lorsque vous êtes sur WordPress, en bas de vos articles, vous avez la possibilité de mettre ces tags, en fait, ces petits hashtags. Et Xavier demande combien on doit en mettre dans chaque article. Bah, je pense que 5, c'est le maximum, hein. Après, on est un peu délayé. Stéphanie qui nous demande s'il y a une fonctionnalité de blog sur Jimdo. Oui. Alors, Jean-Marie qui dit qu'est-ce que le SEO? Alors, le SEO, c'est SEO en français, c'est Search Engine Optimization. C'est l'optimisation de votre site pour le référencement naturel. Peut-on récupérer des vidéos d'autres personnes pour alimenter son blog? Question d'Isabelle. Bah oui, vous pouvez le faire, effectivement. Je sais pas trop ce que ça va vous apporter en revanche. Alors, Brice qui nous demande si on a un site e-commerce sur Shopify, peut-on intégrer le blog WordPress? Alors, moi, ce que je vous conseille de faire dans ce cas-là, c'est de créer un sous-domaine, par exemple blog.votrenomdedomaine.com, et de faire pointer ce sous-domaine sur WordPress. Ça vous permet d'avoir le e-commerce sur Shopify, le blog sur WordPress, et en fait de faire en sorte que votre blog soit bien rattaché à votre site. Par contre, le problème, c'est que le design ne va pas être le même. Alors, Muriel dit pourquoi être référencé sur Pinterest? Bah, être référencé sur Pinterest, ça peut vous amener plein de visiteurs sur votre site. Alors, Sabine dit, peut-on modifier des articles une fois publiés? Oui, donc vous pourrez faire tout ce que vous voulez, rajouter des liens, modifier l'article, ajouter du texte, enlever des choses. Voilà. Alors, Marie me dit pourquoi vous avez mis une pop-up sur votre site de freelance? Oui, c'est une fonctionnalité que j'utilise parfois, mais elle s'affiche au bout enfin, elle s'affiche au bout de longtemps. Sur WordPress, on peut créer un e-shop ou est-ce mieux via PrestaShop? Alors, sur WordPress, vous pouvez utiliser WooCommerce, qui vous permet de vendre des choses sur votre site, qui est pas mal si vous n'avez pas trop de produits. Après, si vous en avez beaucoup, PrestaShop, c'est mieux. Amel, ça peut être un virus ou non? Je pense pas sur un site, c'est pas des virus. Alors, Laurence qui demande est-ce qu'on peut créer son blog en ayant déjà un domaine sur OVH? Bah oui, bien sûr. Alors, Sylvie dit qu'il y a beaucoup de thèmes gratuits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes gratuits, mais vous pouvez pas trop les personnaliser.
Alors, Véronique demande pourquoi le pop-up est insupportable sur le téléphone. Bah, il faut bien les tester. Il y a des pop-up. En fait, la fenêtre est plus grande que votre écran, donc vous ne pouvez pas la fermer. Et ça, c'est insupportable. Moi, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps sur l'un de mes sites, il y a une pop-up qui s'affiche, effectivement. Mais c'est une pop-up qui est... Déjà, la pop-up dépend de la page sur laquelle vous vous trouvez. Et elle est petite, donc on peut la fermer sur un mobile. Et c'est très important. Alors, Delphine demande, qu'est-ce que vous pensez des podcasts? Bah, les podcasts, c'est très chouette pour montrer son expertise aussi avec des contenus un peu approfondis, parce qu'on peut avoir des épisodes assez longs. C'est bien aussi le podcast, c'est bien pour ceux qui n'aiment pas écrire, ceux qui font beaucoup de fautes, par exemple. Alors, Karine qui demande, dispenseriez-vous une formation sur la partie technique de WordPress, mettre un article, créer les tags? Oui. Oui, vous pouvez me contacter et puis je vous proposerai ça. Agnès, pareil, vous pouvez me contacter. Alors, je vais vous mettre mon adresse là, hop. Mon adresse mail dans la conversation si vous voulez m'écrire un petit mail. Alors, Maud qui me dit, y a-t-il un nombre de photos à privilégier pour un article standard, environ 600 mots? C'est à vous de voir, 600 mots, j'en mettrais bien au moins 3. Après, Laurence demande, une fois qu'on a acheté un thème sur WordPress, est-ce que ça met du temps à se mettre en place? Non, pas du tout. Vous achetez votre thème. L'étape suivante, c'est de le personnaliser, mettre votre logo, mettre vos couleurs, changer les textes. C'est juste ça, mais il n'y a aucun délai. Le site peut être en ligne 1 minute après si vous le souhaitez et que vous êtes rapide. Alors, Moad qui demande si on peut récupérer le support. Sébastien, je ne sais pas, est-ce que tu as prévu un envoi du support? Oui, tout à fait. En fait, vous avez, quand vous remplissez le questionnaire, pour ceux qui étaient là dès le début, il doit y avoir, ça doit être en jaune tout en haut, un petit lien bit.ly. Et sinon, je viens de le remettre, enfin, même si je m'appelle Marion pour le coup, en réponse à une demande également de Camille, de Karine, pardon. Donc, vous devez le voir sur le dernier poste de Marion dans le chat qui s'affiche en bleu. Voilà. Exactement. Et alors, du coup, je vois qu'on a une dernière question de Xavier qui demande combien de photos max sur les articles. Oui, c'est intéressant comme question parce que les images, bah, c'est des choses qui peuvent ralentir le temps de chargement de votre page. Essayez de. Ça dépend aussi de la taille de votre article, mais évitez d'en mettre plus que 5 ou 6. Voilà, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on aura bien respecté le créneau qu'on s'était donné et on vous aura pris 1 heure pour vous aiguiller dans la façon de mettre en place un blog. Ouais, super. Merci beaucoup, beaucoup pour toutes ces infos, notamment pour la partie questions-réponses où j'ai jamais vu, je crois, un intervenant répondre à autant de questions et puis des questions assez diverses. Du coup, merci 1000 fois et puis merci à tous pour votre participation et vos questions justement. C'était top. Encore une fois, n'hésitez pas à répondre au formulaire, notamment si vous voulez télécharger la présentation et puis le replay sera disponible en fin d'après-midi probablement, en milieu d'après-midi si on est encore plus rapide. Voilà, merci à tous. Merci à vous Et en pour votre particulier à participation. Marion, et puis belle journée du coup.